Allez, enfin, il est là. Le Messie, pardon, Dragon Dogma 2, enfin, on sait pas trop, parce que si on regarde l'écran de démarrage, il est où le 2? C'est pas le 1, c'est bien le 2 que j'ai lancé. Ça fait, quand j'ai su qu'ils allaient faire un 2, c'était, je l'achète le plus possible et je le live et j'en fais une série, voilà quoi. Donc Dragon Dogma 2, une de mes séries, enfin Dragon Dogma, une série que j'adore. Je joue toujours, hein, je continue. Salut Renite. En plus j'ai réussi à régler, j'avais un problème avec mon Elgato et là ça a l'air d'être fluide. Donc c'est bien. Parce que je dis pas, ça me foutait la trouille là, de peur que mon truc était cassé. Donc déjà ce sera mieux que la dernière vidéo de Salut Amiral. De Persona 3. Allez, c'est parti, on démarre. Alors, la création de perso, c'est pas tout de suite. J'ai déjà joué un petit peu, j'ai testé. Alors, je crois que c'était la connexion. Non, c'est la conviction. Pardon, ouais, il le disait une minute après. La conviction est la volonté humaine arrivée à sa plus grande puissance, honorée de Balzac. As our Fevremonde suffered, without a true monarch to guide her and her people. Decades have passed since last His Majesty Erland sat atop the Draken throne. Long have we endured, yet it has not been for naught. At last, the bell has tolled on the age of the Consul. At last, we may celebrate the coming of our rightful ruler. The return of the sovereign. My word, such an inspiring visage. Your Majesty shall have my eternal fealty. Your Majesty, of how long I have waited this moment. Before you sits the rightful inheritor of the Draken throne, chosen by the dragon as its enemy. Behold and rejoice! Fortune has delivered us our savior at last! At last! Praise be, for only the sovereign's guidance can lead us true. All hail the sovereign! All hail! Let all present pledge your allegiance to the sovereign. Let us be united in the hope that our liege's reign will ne'er end. Long live the sovereign of Vermont! Long live the sovereign! Arisen, thou who wouldst slay the dragon, if thou seekest to behold this world in its true aspect, abandon thy reason. Cast aside thine heart and thy life both. I ask thee to demonstrate thy will, for naught but thine ambition can alter the course of the rivers of fate. Donc, jeu du chantier d'excavation. Donc, oui, le début, ça surprend, hein, au début.
J'étais pareil, j'étais là. Qu'est-ce qu'ils nous font? Qu'est-ce donc? Which one of you was it? No need to be shy. Alors. I've just got to take down a record of your name and face. Come on, step forward. Deux petites choses. J'ai fait exprès de laisser le jeu en anglais, parce qu'on peut jouer en japonais, mais comme les pions parlent souvent, etc., et que selon le moment, on va dire qu'il y a les textes qui vont s'afficher, ça peut être problématique pendant un combat, parce que je vais pas arriver à lire les textes, alors que l'anglais, je vais à peu près arriver à le comprendre, selon ce qu'ils vont dire. Donc c'est pour ça que je l'ai mis, j'ai laissé les textes en anglais. Deuxième chose, ce seront des vidéos qui seront assez longues, mais je mettrai dans la description des timings, des timers, avec pour les quêtes, parce que j'ai essayé de faire des séparations pour les quêtes, essayer de démarrer une quête et aller jusqu'au bout. Donc je mettrai donc des time codes et vous pourrez aller dans la description de la vidéo et sélectionner les parties que vous voulez voir directement. Voilà. Donc là, on va passer sur la création du personnage, donc ça va durer un petit moment. Même si je l'ai déjà testé, donc je sais à peu près ce que je vais faire. Donc voilà. Donc vous pouvez soit choisir un prisonnier pour l'utiliser comme base, soit choisir le prisonnier à capuche pour créer votre personnage à partir de rien. Moi, je crois que ce que j'avais fait, j'avais pris elle et je l'avais modifiée. Est-ce qu'on peut la modifier derrière? Oui. Voilà. Donc après, on peut, si on veut, personnaliser. Et choisir donc le corps, je vais laisser comme ça, juste la tête, c'est ici, tête prédéfinie. Je crois que je vais laisser la tête comme ça. Alors, on peut zoomer et tout, hein, si on veut. Moi, je crois que je l'avais laissé comme ça. Je vais juste changer sa coiffure. Coiffure, qu'est-ce qu'on va lui mettre comme coiffure? Non. Non. Moi j'aime bien un personnage que j'aime bien avoir. Je sais plus ce que j'avais fait comme. Je crois que j'avais pris ça. Il y en a tellement. C'est sympa parce qu'on peut vraiment bien personnaliser si on veut le personnage. Non. On va faire comme ça. Ah, quelle horreur. C'est parti plutôt sur des cheveux courts. On va partir comme ça. La couleur. Ça, c'est la principale. On va faire plutôt comme ça. Couleur des pointes claires. Alors ça, je sais pas ce que c'est la gradation. Ok. D'accord. C'est si on veut que ce soit. Ok, ça y est, je me vois. Ok. Position de l'éclat. D'accord, c'est le reflet dans la et l'éclat. Ok. Parfait. Les sourcils, je crois que je vais pas trouver de sourcils. Plus que ça, je pense qu'il faudrait déjà choisir la même couleur. À peu près. Hop. Plus fin. Ok, c'est on peut passer des heures hein, sur le truc, et dites-vous que là c'est le perso principal, mais après il y a le pion qu'il faut faire aussi, et là c'est pas la même. Ça va être pareil quoi. Ah oui, il n'y a pas que la couleur de peau que ça change. Ça a changé d'autres choses. Après, on peut faire. Ah non. Ça veut pas, là. Le personnage est pas assez. Et hauteur des sourcils. On peut tout régler, hein. Vous pouvez régler
la taille des yeux, machin, etc. C'est... Il y en a qui vont se régaler là-dessus, mais moi je suis pas à ce niveau-là quand même. Modifier les yeux. Alors. Si. Tic, tac, tac. On va pas le faire à paupières. C'est juste que j'avais fait. On voit pas grand chose, hein. Ça change pas grand chose sur le personnage. Ok. Contour des yeux, ça bouge ou pas? J'ai l'impression que ça bouge pas par rapport à ce que j'ai choisi. Parce qu'on devrait avoir des trucs, mais. C'est étrange là. Bug. Bon, après, c'est déjà pas mal. Bonjour. tatouage. J'avais pris celui-là, mais bon. Qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce que je vais faire une magicienne? Mon personnage principal sera magicien et mon pion sera un tank pour le début, et après on verra de toute façon. J'avoue que ça fait pas très mage les tatouages, c'est plus guerrier ceux-là. Après, je peux décider de pas mettre de tatouage là. Attends, réunis tes tatouages. Et après, on peut décider. Où est-ce qu'on veut mettre les tatouages et quel tatouage? Oh, non, ça fait trop guerrier. Là, c'est d'autres. Non, ça va pas sur le bras, ça. Dis, on peut passer des heures. Hein. Je crois que je vais rien mettre là. Juste mettre un. Est-ce qu'on peut mettre juste un tatouage dans le dos? Je crois qu'on le verra sûrement pas. Là c'est bras droit, bras gauche, cicatrice. Et sur les jambes, tatouage corporel. Ah mais c'est devant, c'est pas devant que tu le veux, un truc comme ça. C'est dans le dos. Alors, est-ce que je peux arriver à le position verticale? Ah, on doit pouvoir le mettre dans le dos. Ah, mais il est dégueulasse le tatouage là. Étendu. C'est chaud pour arriver à mettre un tatouage correct. Hein. En avoir deux. Et le faire aller plus vers le haut, c'est possible. Et là. Ouais, il n'est pas terrible en fait. Hein. Je vais annuler le tatouage. Je vais pas en mettre, c'est plus simple. C'est la saleté. Alors je sais pas si ça va gérer ça après. Le personnage est. On peut mettre le personnage hyper crade ou pas du tout. Je vais le mettre pas du tout. Ok. La classe. Donc là maintenant il y a des nouvelles classes. Enfin il y a une nouvelle classe. Ils ont séparé l'archer et le voleur. Mais je vais partir mage. voix. Ah,
Vous voyez une différence, vous, dans les voix? On va prendre celle-là. Et finaliser la création. Le nom. Comment j'ai choisi, c'était par rapport à la couleur des cheveux, donc Ruby. Non, pas Rachel. Pas pourquoi il y avait le surnom. Je crois que les gens, selon le niveau, ils peuvent voir que le surnom et pas le nom. Âge. Hop. Allez, c'est parti. Tu allais vite, mais c'est pas très grave. Hein. Pour l'avatar. I ill like that look in your eyes. 'Tis queerly brazen for a pawn. Alors ton regard ne me revient guère, il est très étrangement défiant pour un pion. Sauf que. Most of your kind have eyes blank as a cadaver's. Mayhap 'tis only natural, seeing as how you rise from the dead. There's aught different about you, though. Could it be that you fear death just as we mortals do? Worry not, vessel. 3 days here. And you'll be longing for death's sweet embrace. Come along, you feckless dullards. Ah, il y a juste le. Quand le personnage se déplace, je sais pas, ça fait pas très féminin, mais bon. C'est pas grave, c'est avec. On va dire que c'est des petits détails. Il y a des petits détails hein, sur le peu que j'ai testé. Qui m'avait un peu choqué, mais après c'est Dragon Dogma, on sait le gameplay, il est pas simple et il est extrêmement magnifique. Là, il fait la pluie que moi, il se cogne, c'est bien déjà. Le trou. Alors je suis sur PS5 hein, pour. Donc il semblerait qu'il y ait quelques chutes de framerate régulièrement. Ouais, on verra bien. De toute façon, le jeu, je pourrais changer de classe à tout moment. Quasiment à tout moment. De souvenir si c'était comme si c'est comme dans le 1 et décider de prendre une autre classe si celle-là me plaît pas et après on pourra avoir les classes mix. Pray, do not overexert yourself. This is no place for one of your ilk. 'Tis harsh beyond measure. Even we pawns are pushed to the brink. Alors Rook, c'est le même personnage qu'on rencontre au premier campement où on combat l'hydre dans le premier Dragon Dogma. You ought not anger the overseer. Let us proceed to the site. Ok, donc maintenant on peut marcher normalement, on pourra courir après. Là c'est juste la marche normale. Donc là, ça va être un petit peu tuto. Hein. Ils vont nous expliquer ce qu'on doit faire. You are prepared to work? Then you ought begin by carrying stones out from the station in the back and bringing them here. Allez. On a des pierres à ramener. Donc, faut savoir, dans le jeu, on pourra attraper les ennemis. Attraper de divers objets et variés. Et attaquer. Alors, je peux sauter, mais on saute pas très loin. Et on pourra bloquer les ennemis pendant que les autres. Les alliés peuvent le frapper, ou on va pouvoir monter sur les bestioles. A job well done. Now the next step is to.
N'hésitez pas à me dire, hein, c'est... Perhaps we ought to investigate. What is this commotion? Perhaps we ought to investigate. On va faire gaffe à la jauge d'endurance. Hein. Alors j'avais testé en archer, qu'est-ce qu'ils vont mettre? Ok, elle a le bâton devant elle. Ok. Oh, j'ai déjà l'aura de guérison. Ça, c'est cool, ça. J'ai rien sur rien. Changer compétence. D'accord. R1 plus carré. Ouais, c'est comme dans le 1, il y a une aura qui reste. Glisser des objets et lancer avec R2 et lancer avec R1. Je suis dans une position très bizarre. Mon endurance est en train. Ok. Donc comme dans le premier, la bestiole s'enfuit. On la tue pas. C'est un boss pour plus tard. Ça va, ils ont mis les... cette fois-ci, ils ont mis les textes au-dessus de la barre de vie du personnage. Et pas sur la droite ou sur la gauche, je sais plus, dans le premier Dragon Dogma, où c'était chiant à lire, ils se regardaient sur les côtés, donc... No one could survive a fall from this height. Not even a pawn. This world you must protect.
Et moi, je m'étais arrêté juste après que l'on reprenne la main. Alors, ce qui est bizarre, c'est pourquoi il n'y a pas le 2. Ça, c'est... c'est ça qu'il y en a qui disent. Oui, en fait, c'est un remake du 1. Bon, pas totalement, ça démarre pas de la même manière. Mais... Bon, il y a des polémiques en ce moment sur le jeu. À cause des DLC payants qu'ils ont créés, qui permettent d'acheter des portes à cristal et trucs comme ça. Mais pour ma part, je m'en fous, je jouerai sans les acheter. Ça m'a pas gêné pour le premier Dragon Dogma et ça gênera pas pour celui-là. On fera juste les trajets à pied, c'est tout. Après, il semblerait que la carte soit vachement plus grande que dans le premier. Donc, on va voir. Et c'est l'avantage des pions, c'est qu'ils meurent pas vraiment. Oi, are you all right? What happened here? A griffin appears one moment and falls the next, and now you stand before me. Was it you then? The one who was riding on its back? It is a wonder you survived. Accompany me to the stronghold. We'll treat your wounds and hear your story. Bah, et je m'étais arrêté là. Donc là, c'est total découverte. C'est sympa, ils mettent les noms des quêtes et tout. Achevé, réveillons Joel. Hop, un coffre. Potion, ok. Voilà, c'est... Pour ceux qui connaissent le premier. Alors ça, c'est pas terrible le texte là-haut au-dessus de leur tête. Pendant qu'on est en train de se déplacer. Ah! Fine! Goblins! Let's take up your weapon, sir. You'll be needing it. If you find your strength flagging, buy the curative or have a bit of green orange. When one of the fiends comes, best guard or dodge, else you'll be sore on the morrow. Make use of the slope. It will give you an advantage against their ranks.
Ah, ils aiment pas, c'est vrai qu'ils aiment pas là, les flammes. Aïe. Oui, ma stun. Mais c'est chaud. Do not let yourself be swarmed by enemies in number. Best to draw them away from the horde. Il faudra vraiment un tank, hein. L'attaque de base est pas ouf, elle fait pas énormément de dégâts. Remember, the essence of battle lies. There are oft items to be scavenged from the bodies of monsters and their ilk. If you're not squeamish about picking at their bones, that is. Ils sont où les cadavres? C'est vrai que le début en tant que mage c'est super difficile. Il manque une petite garde avec le personnage. Je vois pas où est le dernier. Leur course et la consommation d'endurance. You can't just run off now. Oh. Pardon. Ça c'est du soin, non? Where are you going? I'll not force you to receive treatment, but I'd at least like a word. Faut que j'arrive à en shooter plusieurs d'un coup. Cool. Ça marche bien. Hein, le sort, il fait le bon ménage. Ça, ils vont choper plusieurs. C'est plutôt cool. C'est ça, la terre à plante, c'est pour les soins. Ça change pas. Il me disait que j'appuie là-dessus. Ok, il y a la carte directement, alors que c'était chiant dans le premier. Donc si j'appuie sur la... Le tactile de la manette. Oui. Oula. Alors, est-ce qu'après la carte, elle s'étend? On va voir. Ah, mais attends. On est juste là. Ah ouais, d'accord. Ok. Ça a l'air d'être bien grand. Tant mieux. Alors, plein de recoins à visiter. Parce que Dragon Dogma, c'est pas qu'une histoire. C'est aussi... l'aventure qui est à côté, qui permet de visiter, de trouver des grottes cachées, des trucs comme ça, des quêtes secondaires. Même souvent, certaines quêtes secondaires sont plus intéressantes que la quête principale. Bon là, il va y avoir un petit moment où je vais faire mon pion, je pense. Welcome, Arisen. We pawns have long awaited your arrival. What is this? The pawns? They bend the knee to you so readily, but then... No. Surely you cannot be the Arisen. You seek the Rift Stone, do you not? We can take you to it. Pray. Come this way. Before you stands a Rift Stone. Tis a gate by which we of the Pawn Legion may cross o'er into this world. Pray, summon your pawn. Simply paint with your mind's eye the loyal attendant whom you would have serve you. Alors,
Vous avez votre pion, la création libre. C'est la race, c'est le type. Alors, j'aime pas du tout hein, les races animales, donc... on va prendre... Voilà. Non, on va pas faire un... Elle va être grande. Ajuster le visage. Oula. Il y a plein de prédéfinis, mais je sais pas, je les trouve pas super jolis hein, la plupart. De toute façon, on fera quelques ajustements. On peut jouer avec une idée. S'il y en a qui aiment bien les. Je vais prendre elle. C'est juste des têtes prédéfinies. D'accord, c'est la deuxième partie de la tête. Gérer la posture quand le personnage se déplace, j'ai pas compris exactement ce que ça servait, mais bon. Tête, on va garder. Peau, on va garder. Garder tout ça. Coiffure, on va changer la couleur. Pas trop quoi mettre comme couleur. Si je fais ça. Ok, si je change de coiffure. Comme ça. Allez. Hop. Là, on touche pas. Un truc de toute façon je crois qu'on peut modifier plus tard hein, le personnage et là je vais me faire plaisir sur le tatouage. C'est un pion. Est-ce que je peux changer la couleur? Quoique. Donc classe, ça va être guerrière, personnalité, alors consciencieux, loyal et dévoué, le plus docile de tous les pions, agit de manière équilibrée, s'empresse de secourir tout allié en danger. Ça ira très bien. The people here are evacuated and safe for the moment. The people here are evacuated and safe. The people here are the people here are there are more who can yet the people here are evac the people here are evacuated. Ils ont juste changé un petit peu là. Ok. Sûrement, je peux pas mettre le tank, ça doit pas exister. Bien, Lady, ça va très bien. Allez, mon premier pion. La magicienne avec son guerrier. Pawns are known as crossers of the rift, for we are able to connect to and traverse other realms beyond this one.
When we return, 'tis our duty to use our experiences and the knowledge we have gained to aid you on your journey, Arisen. From this day forth, I shall serve you as your loyal pawn, and aught I learn beyond the rift will be at your disposal. Well, I'll be. A pawn summoning before my very eyes. You truly are the Arisen, then. Strange. I thought the Arisen was in the capital. Surely there's only meant to be one Arisen. Fie, this is all beyond my ken. The Watchhead would know what to do, I'm sure. Though, as luck would have it, he's away. I suppose we'll save any further questions till the Watchhead returns. You're free to do as you like afore then. What? You've no memories, you say? Mayhap you could make for Melv, then. 'Twas set upon by the dragon not long ago. The Arisen is said to bear some deep connection to the dragon. Should you be Arisen, mayhap you'll recall aught of import there. Bon, c'est une, graphiquement, c'est une tuerie. Hein. Là, il est fou, le gap par rapport au premier est quand même énorme. Même en ayant mis le patch sur Dragon Dogma, le premier du nom, qui aura un peu plus joli, il y a quand même un sacré gap. Alors, les pierres de faille. En touchant une pierre de faille, vous pouvez voyager vers la passerelle reliant les différents mondes traversés par de nombreux pions lors de leur séjour par-delà la faille. Cela vous permet d'invoquer des pions correspondant à certains critères. Ces pions de soutien ne monteront cependant pas de niveau à vos côtés. Il se peut donc que vous ayez régulièrement besoin d'en recruter de nouveaux. Il y avait fermé avec Ron, fermé avec Hail, Arisen. Pray, ask aught you wish to know. I shall answer, if 'tis within my power to do so. Bon, ça, je sais. May fortune speed you on your way, Arisen. Allez voir mon let's play du 1. il me faut des... j'ai un guerrier, je voudrais un deuxième mage, je pense. Là, voilà, on a des pions qui sont à côté et on va pouvoir les prendre avec nous. Je crois que... Un guerrier... Should your pack grow over full, have no fear. I'll lighten your load by spreading it out among us pawns. Et après, en fait, on a des points de faille. Si on prend des pions de notre niveau, il n'y a pas de problème. Ils seront, ils coûteront zéro. Mais plus on va prendre des pions de haut niveau, ça va coûter des crédits de faille. Et ces crédits, on les trouve facilement normalement, en tuant des monstres, etc. Ah, c'est propriétaire Capcom niveau 1. Donc c'est un des pions Capcom. Allez, on va le prendre pour démarrer. Ah, good. I see the Arisen's found someone to handle our busy work. Donc les spécialisations sont des compétences réservées aux pions. Elles ne sont pas uniquement bénéfiques, car elles permettent au pion d'agir de son propre chef. Ce qui peut mener à des conséquences inattendues. Toutefois, avec un brin de patience, de préparation et d'attention, les spécialisations peuvent se révéler très utiles et valent la peine d'être essayées. Si vous souhaitez que votre pion apprenne une spécialisation, il pourrait être utile de vous lier d'amitié avec des gens aux caractéristiques et aux comportements divers. Tôt ou tard, ces amitiés donneront sans doute l'opportunité à votre pion d'acquérir une spécialisation. Un pion ne peut posséder qu'une seule spécialisation à la fois, et l'apprentissage d'une nouvelle spécialisation remplacera la précédente. Consultez chacune d'entre elles pour plus de détails sur leurs effets. Ok, ça c'est nouveau ça. Je voudrais un mage. Il n'y a pas de mage. Il y a un archer. Sinon je vais en prendre un dans la faille. Hein. Parce que pour soigner, je pense que ce sera mieux que... Et l'autre mage... Sinon je vais en chercher un dans la faille, hein. C'est pas très grave. Alors dans ce monde, ne vous fiez pas uniquement aux données de sauvegarde automatique pour enregistrer votre progression. Il est recommandé de vous reposer régulièrement à une auberge pour assurer la fiabilité de vos données de jeu. Et puis en plus ça permet aussi que le pion, s'il a été... Oui, mais à distance, je suis déjà là. Mais je sais, pour l'archer.
Voilà, vous avez l'air bien fatigué. Vous savez quoi? Vous pouvez passer la nuit sans frais cette fois-ci, mais rien que cette nuit, d'accord? My pa always used to say, there's not a good night's sleep can't fix. Not much else I can offer, I'm afraid, but you'll find all sorts at a finer inn. Aye, being armed is better than being defenseless, even if you're untrained. Still, it is worth devoting yourself to a vocation if you can. You should stop by the inn in Melve if you get the chance. No hard feelings if you prefer it. They've much... Alors, ces jeunes dans une auberge restaurent intégralement la vie et l'endurance de votre équipe ainsi que la jauge de perte. Il correspond à une réduction de la vie et s'accumule quand des dégâts sont subis. En vous reposant dans une auberge, vous pouvez vous réveiller le matin ou le soir, ce qui est pratique s'il vous faut partir à une certaine heure. Reposez-vous régulièrement, blablabla. Pas tout de suite, parce que je voudrais aller chercher... Je vais aller dans la faille, je vais aller chercher un match. Mais pour le moment, quand je serai un petit peu mieux niveau classe, je pense que oui, je prendrai autant un archer. Après, je fais de la distance aussi, donc... Mais selon les sorts, il faudra voir. Là, je voudrais, c'est un mage, en fait, pour... Il va gérer le soin à ma place. Parce que en général, ça va mieux le gérer que moi, en fait. Sérieux, il y a que des archers et des... Anna, bonjour. Bonjour, Anna. Je suis attentive et loyale, et préfère rester à votre côté. En battle... I shall follow your lead. Elle a quoi comme détail du pion? Ok, bon, elle a les trucs de base. Donc, elle est comme moi. Donc, je vais la prendre pour le moment. It will be an honor to serve by your side. Alors, les missions de pion sont des tâches que votre pion principal devra remplir par-delà la faille. Il vous revient d'attribuer la tâche et de choisir la récompense destinée à l'insurgé qui recrutera votre pion principal. Les missions de pion sont l'occasion d'obtenir des objets et des badges de pion. Donc veillez à ce que votre pion soit recruté le plus souvent possible. Mais c'est délire ça! Ouais! Amiral, oui! Red Knight, oui, tu montes que ton pion. Ton pion à toi que tu vas monter... que les autres gens vont pouvoir appeler d'autres personnes, donc soit tes amis, soit d'autres gens qui cherchent un pion d'une certaine qualité, avec certains pouvoirs ou certaines choses. Et quand tu montes de level, ton pion va monter de level à peu près, et après c'est les classes, ça va dépendre, mais en fait ils montent en même temps que toi. Et donc il va falloir régulièrement que je retourne en ville pour changer les pions auxiliaires que j'ai récupérés. Parce que eux ne vont pas monter de niveau. Donc lorsque vous décidez de la récompense destinée à l'insurgé qui recrutera votre pion principal, vous pouvez choisir un objet ou une somme d'or. Les objets seront retirés de votre inventaire et leur soustraits de votre bourse. Il est aussi possible de troquer avec d'autres insurgés en définissant l'obtention d'objets que vous désirez comme objectif de la mission du pion. Mais c'est génial ça c'est un petit ajout. Donc faudra que je regarde, c'est... Donc là je vais quitter la faille. Oh, et déjà, il n'y a pas de temps de chargement, ça c'est génial. Parce que dans le premier, c'était chiant les temps de chargement pour aller dans la faille. Ah ouais, elle fait quand même une tête de plus que moi. Elle est un peu plus haute, mais elle est quand même vachement plus grande, ok. Donc, direction... Faudrait que je vois s'il y avait un marchand. Est-ce que je pourrais acheter un petit truc en plus? Toi, t'es marchand, toi. Have a gander at my wares. You shan't regret it. Alors, ok, ils vendent que des trucs de base. Anneau d'accroissement. L'anneau imprégné du pouvoir augmente légèrement la charge maximale que vous pouvez porter. Ah, il coûte 6500, j'ai que 400. Au revoir. Je sens qu'on va faire des quêtes d'abord. Et après, je peux aussi discuter avec les pions que j'ai recrutés. Is there aught this pawn might do for you? Je peux l'ajouter au favori, c'est-à-dire que le pion m'a plu. Et si jamais il monte de niveau, quand moi je vais monter de niveau, je pourrais avoir la version qui a monté de niveau. Bavarder. Ok. Ok. Mais sinon, moi, mon pion, je crois... Alors, je peux pas lui parler. Si, je peux lui parler.
Where ought we to go now? Ok. Je vois un peu la map. Ok, ah oui, on voit que dalle. Là, je vois que le village, en fait. Et ça me dit pas vers où c'est. Donc, il n'y a pas de... Il y a des trucs très légers. Il n'y a pas de quête... Oui, d'accord, j'ai la carte et il faut que j'aille ici, je crois. C'est ça. C'est marrant, ça fait un gros pâté. Je pense que ça doit être là. Et on est ici. Donc, il faudrait que je sorte par là. Ça fait traverser, à mon avis. Ouais, on doit passer par ici. Je crois que ça me marque un... Ça me met le marqueur par là-bas. There's a ladder here. Oh, il y a une quête. After you, Arisen. Alors déjà, il y a un coffre. This is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Alors, faut faire gaffe parce que la bouffe, elle se, comment dire, elle périt. Elle se dégrade avec le temps. Et donc on se retrouve avec plein de viande pourrie. Très vite. Fancy a gander? I find goods for sale. These townsfolk don't know quality. Well met. Oh, les prix au secours! Ah, je pourrais déjà autant au moins m'acheter un casque. Dans la tête avec le casque. Après, moi, il faudrait que c'est des trucs qui m'augmentent la magie. Mais là, je crois qu'elle si, elle a le bâton, mais bah, c'est celui que j'ai. Donc, ça sert à rien. C'est les trucs de base. Et on voit hein, qu'il y a les trucs rouges là sur le côté. Ça veut dire que je ne peux pas l'équiper. C'est pas pour moi. Là, je peux même pas prendre la... Là, j'ai même pas de quoi. Si, je pourrais prendre les bottes au moins. Au moins, ça sera moins ridicule que l'autre truc. Et je gagne beaucoup en défense. Donc, je vais le prendre en attendant. Always a pleasure. Voilà, déjà, ça fait moins ridicule. Pourquoi ils veulent me faire passer par là? Vaut mieux que je passe sur l'autre côté, moi. Ou alors c'est que c'est coupé ici. Et qu'on peut pas y aller. Et qu'il faut passer par là, et après passer par le pont qui est là. J'ai l'impression que c'est ça, hein, parce qu'ils me montraient vraiment par le chemin plus par là. Go now, are you? You sure that's a good idea? You seem rather unwell. You ought at least rest for the evening. There should be a spare bed in the lodgings. Only don't go rushing off before you're ready. Take it from me. You're better off resting while you have the chance. Ah oui, ça c'est vrai, il n'y a pas le truc des quêtes. Le tableau des quêtes. Je vois pas de tableau des quêtes. De toute façon, au début, on va surtout se faire agresser par du gob et des harpies, je pense. Comme d'hab, hein, de toute façon. Ah oui, et là on peut pas passer parce que oui, voilà, ok. Le pont il a fait Scrooge. Ok, donc obligé de passer par là-bas. Je vais me reposer, je vais attendre le matin. Ah, j'ai toujours le truc de point d'exclamation, donc c'est qu'il doit avoir une quête. Je vais aller la chercher. Ah oui, je vois ma vie qui est pas à fond, ok. Il y a du cross-platform, aucune idée. Moi je l'ai pris sur PS5 et il était moins cher, il était à 50 euros à Leclerc. Donc, playing at Arisen in search of preferable treatment, you'll be sorry. Your head is like to roll ere long. Tu pouf le pion. Me dis pas que j'ai déjà un pion qui est KO. Ok. Il a pris des dégâts, le pion. Ça commence bien. Mais pourquoi? Alors, j'ai un point d'exclamation. Alors, ça doit être...
Va être lui, peut-être. I don't much care who you are. I'm busy enough with my own goings on. Alors c'est en dessous. C'est-à-dire c'est quand je partirai après du roi accès. Bon, valise de doté. Pardon. Pas l'habitude que ça soit rond. You seem well tied. My pa always used to say. Blablabla. On sait tu me tu m'as déjà dit. By the inn in Melv if you get the chance. We must rest. Though the sun is still up. Ah quoi que c'est peut-être dans l'auberge. I knew it was only a matter of time before your skills reached a new height. There's no discipline that steadfast devotion cannot teach. Ah mais je voudrais pas y aller. Rendez-vous à Melv. Alors il n'y a pas l'air d'avoir. Donc mon pion a pris son level. Alors vous avez entendu que le dragon avait attaqué Melv. Rendez-vous au village et constatez les dégâts de vos propres yeux. Le problème c'est qu'on va se déplacer de nuit. Oh le... Notre photo. Pas bien pour faire des miniatures. Ça c'est l'équipement. Ça doit être l'équipement de Chandrine. Vu que c'est équipé. Ça c'était mon vieux truc que j'ai. Je crois que je vire d'ailleurs. Bon, ça c'est mon équipement. Et après je peux regarder. Voilà, Chandrine, elle a ça. Et. Elle a une armure de fantassin. Il est quand même bien équipé d'entrée de jeu, même si. Voilà. Ok, le système d'inventaire est le même que dans le. Quasiment le même. Est-ce qu'on peut combiner? Il n'y a plus les combinés. Alors c'est peut-être pas là qu'on peut le faire. On peut donner. Ok. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, master. Knowing when to use curatives is my specialty. Non, je veux pas te recruter. J'ai déjà mes pions. Il n'y a pas l'air d'avoir de... Hey, oh. You a soldier? To be a surprise to see you arrive in one piece, if not. Hordes of monsters have been plaguing this area of late, you see. Première quête. We've had to start sending out new recruits to cull them. Is that so? Who went yonder? Lachlan. But I dare say he'll fare all right. Aye, I expect he will. Who was sent out that way then? Accardo. To be honest, sir, I'm a little worried for him. What? Weren't harpies reported in that area? I can't handle those beasts on his own. This is the first I'm hearing of it. Fie! I want to go to his aid, but we can't just abandon our posts. Say, you seem stout of heart. Would you be willing to go in our stead? Tisn't far, only a short ways out from the main gate. You've my thanks. And Accardo's as well, I'm sure. Alors, définir une mission prioritaire. Vous pouvez choisir une mission à accomplir en priorité parmi celles que vous avez acceptées. Si la destination de la mission est connue, un marqueur sera placé sur votre carte pour l'indiquer. Si un pion de votre équipe possède des connaissances particulières sur une mission, il pourra vous mener jusqu'à votre objectif. Toutefois, il ne pourra vous guider que si la mission est définie comme prioritaire. Certaines missions sont affectées par le cours du temps et progressent même sans action de votre part. En acceptant plusieurs missions à la fois, vous risquez de vous retrouver dans l'impossibilité d'agir à temps, ce qui peut entraîner des conséquences fortuites. Essayez de garder le temps à l'esprit lorsque vous gérez vos missions en cours et en acceptez de nouvelles. Ça, c'est pas mal, ça. Ah, je l'ai défini comme prioritaire. Allez. Alors. Oh, il n'y a pas de temps de chargement. Oh my god. Alors, c'est où la quête? Elle est là-bas. Ok, il faut que je suive le chemin et que je prenne la première à droite. Few can weather a harpy assault unaided.
Shall we hasten to Sir Ricardo's rescue? Alors, il existe 4 heures à votre disposition pour commander les pions. Et leurs effets varient selon les circonstances. Par exemple, selon que vous soyez en combat ou non, la meilleure façon de s'habituer à chaque ordre est d'observer la réponse et la réaction de votre pion dans différentes situations. En avant, ordonne aux pions d'agir de leur propre chef. En combat, cet ordre les invite à se répartir à travers le champ de bataille et peut également être utilisé pour demander de l'aide afin d'effectuer une action. Se faire conduire à un lieu déterminé ou ordonner à un pion de reprendre un chemin précédemment interrompu. Avec moi, ordonne aux pions de se rapprocher de vous. En combat, cet ordre les invite à combattre à vos côtés. Ordonne vos pions donc de rester où ils sont jusqu'à nouvel ordre. En combat, cet ordre les invite à interrompre leur attaque et à vous aider de manière indirecte. À l'aide, ordonne aux pions de se concentrer sur le soutien, le soin et la récupération. Ça, c'est le à l'aide, ça va être souvent, je crois. Brûle! Bon, ça va, heureusement qu'on touche pas nos alliés. Hein. Bah, le niveau était rapide là. Ok, ça monte aussi nos stats. Alors, au début, on va en chier hein, contre les mobs, puis après. Oh, il ramasse à ma place. Là, c'est cool. Was leading the way, but I suppose your whims take precedence. The Arisen decides our path. We have but to follow. I seem to recall there being a treasure chest in this area when I explored it in other worlds. Shall I lead the way? Elle est où? No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm. Oula, Daniela, attends, je vais te soigner là. Perte et réanimation des pions. Les pions sont immobilisés lorsque leur vie tombe à zéro et deviennent incapables de se déplacer sans aide. Si vous laissez un pion dans cet état pendant trop longtemps, il sera perdu et retiré de force de votre équipe. Vous pouvez tenter de réanimer un pion en vous approchant puis en le touchant. Si plusieurs pions sont immobilisés à proximité, vous pouvez tous les réanimer simultanément. La quantité de vie maximale d'un pion réanimé sera égale à votre quantité de vie restante. Merde, elle est en bas, je l'ai pas vu. Effet négatif. Les effets négatifs sont des pénalités et de statuts pouvant aussi bien via des dégâts à intervalles réguliers que rendre une cible vulnérable à un type d'attaque particulier. Ils ne vous touchent pas seulement vous et vos pions, mais peuvent aussi être infligés aux ennemis, vous octroyant un avantage conséquent. Ok. Putain, c'est vachement plus long. Oh putain, mais ah oui, il m'empêche de l'animer. Ouah, ah ouais, non, les combats ils sont largement plus balèzes que dans le premier. Ok, l'autre elle a balancé des soins. Ils ont rien noté. Elle voulait monter un coffre, l'autre. Come to think of it, some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such arisen dismissed me after only half a day of service. Each to their own. Excellent, ils arrêtent pas de parler. Ah, là-bas il y a des soins. On va ramasser. Ouais, transporter. Ok, je suis en poids moyen. Ça, je crois que ça, le. Comment ça s'appelle? Le déplacement qui est impacté. Et sinon, c'est le. La récupération d'endurance aussi. On peut être pas mal impacté. Bon, allons aider monsieur par là-bas. Ouais, les combats, ils ont l'air d'être plus balèzes parce que tu peux te faire interrompre pendant que tu es en train de faire quelque chose. Ouch.
Ah, I'll take that. We might find a use for it. Ah merde, ça me l'a activé tout seul, là. C'est chiant ça. Il y a elle qui chante là. Elle essaye de me... de m'endormir. Ah putain, mais sérieux? Oh t'as... Oh y'a tout qui t'emmerde. En tant que mage, c'est une catastrophe les forêts. Tu peux avoir le tourbillon pour les raser les forêts? Heureusement qu'on a le pouvoir mitraillette. Hein. Et puis on fait tellement pas de dégâts avec la magie pour le moment. Je pense qu'il faudrait du feu, mais... Je fais pas de dégâts hein, avec ce pouvoir. Ok. Never mind that now. Is that all of them? Yeah, you have my thanks. I do not believe for a moment I could have slain those creatures without your help. I've only just enlisted, and when I thought this could be the end of me, I was paralyzed. You saved me this time, but I won't always be so fortunate. I'll have to train harder, till I have the confidence to face such beasts on my own. Well, I'd best be heading back, but I'll be sure to let my superiors know of your good deed. I hope we meet again someday. Ok. I suppose we'll be wanting to report. Informer Phil, donc faut que je retourne en ville. Pas très grave. Mais c'est bien, ce sera la première quête. Alors l'autre, elle avait dit qu'elle savait où il y avait un coffre et qu'elle nous y amenait, mais on s'est fait agresser par des. Could you come over here? Ouais, vas-y, fais voir. Ah, c'est génial ça. Non, pas besoin. Je crois qu'elle va m'y amener. Speaking of which, the pawns in this party are women all. Ah. Yet no two of us are the same. Excellent, j'avais pas fait gaffe, j'avais pris. Pourquoi tu me ramènes là et le coffre? Ah non, d'accord, tu me ramènes en vide, c'était pas ça, ok. So, we finally arrived. Hey, old friend. Many thanks for aiding Accardo. T'was a relief to see him return, and none the worse for wear. Aye, that it was. The poor sod might not have made it back alive had you not intervened. T'was a bit too early for him to be seeing actual combat. That much was made well clear. We'll be extending his training period. The instructors here are well known for whipping recruits into shape with their grueling regimes. Speaking of training regimes, I must admit I've half a mind to ask you to join us. We could use someone with your experience. Ok, j'ai gagné de la poids, j'ai gagné 1000 gold. Ah, c'est bien. Ah. That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? Ben, je vais acheter ma robe. Et je vais vendre les deux trucs tout pourrave. Hein. Quel intérêt de garder ça? Peau de bête.
Filet de bête s'étant bonifié avec le temps. Alors en avant, ça éparpille sur le... Mais on va voir là quand je vais repartir de toute façon. Elle va sûrement me dire. The longer the journey, the more supplies we'll require. I suppose it is so. Ah, mes points de vie remontent pas plus que ça. Ok, donc ça va être à cause de la fatigue des dégâts. Oh, ça va être plus contraignant que dans le premier, ça. Et il y a toujours le point d'exclamation là-haut, hein. This ladder looks sturdy enough to climb. We ought to put it to good use. Bon, je sais pas pourquoi, il y a peut-être parce qu'il y a l'échelle, parce qu'ils me l'ont indiqué. Là, ça me parle d'un coffre. C'est bien un coffre qu'on voit là. Est-ce que c'est le coffre commun ou est-ce que c'est... Oh, là-dedans, peut-être. On peut y arriver. I've not the time for your prattling. Bother someone else. C'est peut-être ce coffre-là qu'elle voulait parler. Bon, allez, go. Direction, ouvrez-moi ces portes. Laissez-moi passer. Alors, si je regarde la map... Ouais, de toute façon, faut que je prenne à droite. Je cours pas pour pas défoncer mon endurance et du gobelin. Harpie aussi, super. Oh, ces quatre bonbons de shooter. Les harpies là pour le moment c'est horrible. Là il faut mieux avoir un archer. Hein. La conflagration contre les harpies, ça vaut pas le coup. Enfin, vite que je trouve un bâton de flamme. Ah, rang de classe, donc nouveau pouvoir débloqué. We were overconfident in our abilities. It is a painful reminder that fortune will not always favor us. Parle beaucoup, Daniela. Salut, Light. Coucou, tu as ou créé un peu saut? Et c'est le lancer de gobe. Ouais, non, c'est trop dangereux. Mais les autres, c'est vrai que je pourrais les attraper. Moi, je préfère du gobelin rôti, en fait. Oh, ils appellent des copains, là. Bon gobelin, ça. Moi, t'as mis créé pour 4 heures. Ah non, non, moi, je suis allé vite. Je me suis pas fait chier. J'ai mis une demi-heure pour faire mon personnage principal
Une demi-heure, ouais, pour le personnage principal, à peu près. Et le pion, j'ai mis 10 minutes. Enfin, c'est pas le plus important, en fait. Ça va être après, ça va être quand tu vas les optimiser, niveau classe, etc. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois un dessin de... Oh, ça doit être pour miner. Non, c'était un... Ok, il ramasse le... Ok, des plantes. Mais graphiquement... Ouais, j'ai fait un mage. Ouais, oui. Comme dans le premier, en fait. Quand j'ai fait mon let's play, j'avais fait un mage. Alors, je l'avais déjà terminé le premier avec un perso guerrier. Mais je me suis dit, je vais refaire mage. C'est chaud, le mage. Hein. Je pense que c'est pas la classe facile. Pour le début. Après, je pense que... Dès qu'on va commencer à faire des sorts de psychopathes... est-ce que je suis sur le bon chemin, là? Oui. On va retourner à gauche au prochain. Et là, c'est bien, ils ont foutu la carte d'accès rapide. C'est ça qui est cool. Putain, puis alors, graphiquement... Je suis sur PS5 aussi, hein, Light. Hein. Je suis pas sur PC, moi. Oh, il y a des gruiques. Ah, on pouvait pas le louper, lui. Bonjour, je suis bien gros, je suis bien visible. Faut que je passe le pont. Je vais pas essayer de récupérer la plante là-haut. On verra plus tard. The material. Different combinations of materials result in different creations. Ah, il nous en parle. Toi, t'as commandé une manette pour optimiser le jeu. Ah oui, oui. Alors, pas de Eldrin, Archidruides. Oh, bah non, il n'y a pas, non. Là, c'est Mana et Chandrine. Chandrine qui est guerrière, là. Indeed, the dragon truly is calamity incarnate. Mayhap a walk through the streets would help jog your memory. When the arisen of pitiable arisen. Yeah, ça commence bien. Well met. Bouquet filmant, grimoire rempli d'un pouvoir ésotérique qui sera tout sorcier. Lisez-le pour lancer le sort. Puis de fou. Ah ouais, mais c'est pour le lancer seulement. Est-ce que. Non, il n'a pas de. Non, après, c'est beaucoup trop cher. J'ai fait des persos de mon jeu. Oui, je me doute. Pleasure doing business with you. Je me doute. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeep understands. The Arisen is ever prudent in the application of coin. It's been a hard day. Huh? Hast thou forgotten thy destiny, thy charge? Il y a une quête dans le puits. Oh merde! Ah non, ça a lancé quelque chose, ok. Dans le premier, il y avait une quête dans le puits. That is most unfortunate. But it doth not release thee from thy fate.
Mais non, je suis pas guerrier, je suis mage. Bien, je suis en train de mourir. C'est bien, on ne fait pas de dégâts. Parce qu'il faut mourir. Là, c'est génial de pouvoir monter sur le... Je sais plus où je suis, mais... Et juste attendre. Comme dans le premier, mais en plus classe. Can you hear me, sir? Sir, stay with me. Goodness. How are you feeling? This is the second time I've watched over you like this. Isn't it? La seconde fois. You do not remember? Then have you forgotten that you protected me from the dragon's flames? You withstood the fire in my stead and were well and truly charred. It was terrible. I had thought your life forfeit. I could not hear the beating of your heart. You hung on, and by some miracle, survived. Arisen, I'm afraid I don't understand your meaning. Does it have aught to do with why you were taken to the castle? They said 'twas so that your wounds could be treated, though I fear you have no memory of this either. Has he come for you? We are to part so soon, then. Mayhap you will visit me again someday. Till then, take care.
Verizon. Ah, excellent. You must be the one. You match my soldier's description. I'm glad I found you. The ruler of Vermund, currently convalescing in the capital, became arisen here in this very village. If you claim the same, then word must be borne to the capital. I dispatched a missive before coming here, though I doubt the matter can be settled without your presence. Would you be willing to accompany me to the capital? If you truly are arisen, you will be received with open arms. Oh, but forgive me. I scattered my soldiers in a bid to find you. I would not depart without them. We shall have to wait till they are reassembled. Come to think of it, Sir Lennet was asking after you as well. Mayhap now would be a good time to speak with him. Last I saw, he was having a drink at the inn. We may benefit from pursuing the information. Oh, il y a Pierre pour les pions. Have you some business with the apothecary, sir? Dreadful sorry if I was in your way. Oh, no, I'm not lost or naught, sir. You needn't worry yourself on my account. I'm an apothecary in training, you see. My family runs a little shop in Vernworth. So when I heard tell of a medicine only to be found in this village, I thought I'd come and fetch some for us. Made the journey all by myself as well. But, well, as luck would have it, I've not enough gold for the medicine. T'will be a shame to return empty-handed after coming all this way. But what more can I do? What? You'd do that? You'd get the medicine for me? Suppose there's no harm in that, if you're really sure. Oh, sir, I'd be most grateful. Seems my luck's not as rotten as I thought. I'll wait right here for your return, sir. And... Alors, combiner les matériaux. Il est possible de combiner deux matériaux pour créer un nouvel objet. Vous pouvez sectionner les matériaux. Donc, on ne pouvait pas au début, mais là, on peut maintenant. Ok, ça se débloque. Individuellement, ou choisir une combinaison déjà effectuée. Vous pouvez aussi choisir l'inventaire duquel les matériaux sont extraits en priorité, le vôtre ou celui de vos pions. We could make the fruit robber and tell... Donc c'est ça. Alors je peux pas, c'est pas celui-là. Ah, toi pour le faire qu'à un certain endroit. Or simply purchase some at Rune's apothecary here in Melv. Yes, of course. I see it now. Ah, well met. Here for some fruit, Roborant, are we? C'est un apothicaire, hein. comment dire? Ok, bâton de mage. Magie plus 156, ok. Je pense que c'est ça qu'elle veut. Plastique curatif contenant des morceaux de fruits prenant beaucoup de vie. Ok. Je vais aller parler à la petite. C'est pas clair la quête. This might contain useful information. Let's have a look then. Non, je veux pas la carte, je veux le menu. Ok, je peux l'avoir comme ça. Retenez voir Flora et donnez-lui le fartuchon de fruits qu'elle vous a demandé. Voilà. Bon, ça coûte cher, mais bon. Ah, well met. Here for some fruit, Roborant, are we? Do come again. What say we see this delivered? Hello again, sir. Say. Have you brought some fruit robberant for me? Oh,
So this is what it looks like. Brilliant. Many thanks, sir. Ok, Amiral, à plus. I haven't much to offer in return, but I'll be sure to tell Grandfather what you did for us. He'll want to reward you proper like, I'll bet. My heart is light as a feather after that exchange. C'est bien, en plus de l'XP pour level up, c'est parfait. Enfin, là, c'est le pion. Alors, ne tâtonnez pas dans le noir, équipez-vous plutôt de nos sublimes lanternes. Sachez toutefois de ne pas vous aventurer trop loin sous peine de voir les monstres attirés par votre lueur, tels des papillons de nuit. Bon, bonjour, ne te déplace pas la nuit. D'ailleurs, non, si j'ai déjà ma lanterne. La taverne, c'est là. C'est là. Well met. You're the one who saved Ulrika's life, aren't you? She told me all about it. It was a very brave thing you did. I'm in your debt. Ulrika's as good as my daughter. Here, consider this a small token of my gratitude. Now, tell me, are you registered with a guild? Oh? Perhaps you already know this, but registering with a guild will grant you access to specialized training, which comes in very useful when pursuing a vocation. Well now, that won't do. You need only speak with the innkeeper to register. Go on, t'will only take a moment. If there is aught you wish to know of vocations, mayhap I can advise you. Non, c'est bon. Very well. There is no wrong choice in any case. It is entirely up to you which vocation you adopt. But I shan't take up any more of your time. Pray, be well. Alors, le savoir de Maestre. Donc, le savoir de Maestre incarne les compétences les plus élevées pouvant être obtenues pour chaque classe. Apprendre le savoir d'un Maestre requiert un ouvrage spécial que vous recevrez si vous parvenez à impressionner le Maestre de la classe en question. Cependant, le véritable potentiel d'un savoir de Maestre ne peut être exploité que par ceux possédant un rang de classe suffisamment élevé. Here at the inn, we also offer... I get so few customers, you see. That I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? $1,500 pour aller dormir. Alors, est-ce que j'ai de nouvelles compétences? La guilde des classes. Donc, toute procédure relative aux classes peut être menée dans une guilde des classes. Changer de classe. Une fois déverrouillée, une classe peut être adoptée à tout moment. Déverrouiller de nouvelles classes requiert des points de classe reçus en vainquant des ennemis et en accomplissant des missions. Des compétences. Chaque classe donne accès à différentes compétences que vous pouvez apprendre à mesure que votre rang de classe augmentera. Apprendre des compétences nécessite des points de classe. Les compétences principales peuvent être utilisées dès leur acquisition, mais les compétences d'armes doivent être équipées au préalable. Les talents, ce sont des compétences spéciales pouvant être équipées indépendamment de votre classe actuelle. Les talents s'obtiennent en dépensant des points de classe et sont actifs dès qu'ils sont équipés. Vous pouvez équiper jusqu'à 6 talents à la fois, vous aurez accès à davantage de talents à mesure de votre... etc. Salut Bashibi. Alors, je peux débloquer la tempête électrique. Alors, ce qu'elle fait... Ah ouais, ah oui, ah oui, ah oui. J'ai combien de PC? J'ai 940. Ouais, je vais prendre la tempête électrique. Je l'équipe là, parfait. Rempart invoque un condensé d'énergie magique. Bloquant jusqu'à 3 attaques. Oh, c'est pas mal ça. Non, je vais prendre le charme de feu, je pense, pour le début. Ah, quoique, je vais pouvoir prendre les deux, en fait. Pourquoi le charme de feu? Parce que le charme de feu... La plupart des créatures au début, elles craignent le feu, normalement. Et je vais prendre le rempart, ça peut être intéressant de le balancer sur les coéquipiers. Ah, je vais essayer sa projection arcanique. Incantation rapide. Bon, j'ai plus de points, mais c'est pas grave, on en récupérera. Et après, des talents. Apotropaïsme augmente votre défense magique. Et si je veux, je pourrais changer de classe si j'ai envie, mais pas pour le moment. Oh oui, ça va être bien, ça. Oui, prends tranchiel, ma petite.
Pas bouclier. Provocation. Ah, dommage. J'avais su, j'aurais pris aussi. Protection du Templier. Renvoie les attaques vers l'adversaire avec une force remarquable. Colère barbare. Donne un grand coup d'épée vers le haut qui envoie dans les airs l'ennemi le plus léger. On va le prendre, c'est très fort ça. Mais après, j'ai pas assez. C'est quoi ce message en dessous de la notif sur l'appli Twitch? Plus il y a de gens, plus il y a de chances que je lance des giveaways. Bah, plus il y a de gens qui viennent sur le live, plus de chances que je lance un petit giveaway pour faire gagner des jeux. So this is where you've been. Come with me to the village entrance. The Watchhead's waiting for you. Let us speak with everyone we can think of who might know aught of use. Ben, venez avec moi, je te suis, mais ok. Yet if aught were to befall him, I couldn't live with myself. There's a ladder here. Ah, excellent find. Hail, if you've a moment to spare, I'd like a word. Michou de faire un raid. As you can see, we're rebuilding. A task that can always benefit from another pair of hands. What say you? Would you be willing to help? Oui. Excellent. You're a good sort. I'll not soon forget this. Here's what I need from you. A Basque of Saurians has made their nest outside the village. Though they're yet to cause any harm, their proximity makes the villagers uneasy. C'est un peu un vieux Vergol. C'est à peu près ça, oui, on va dire. I'd like to enlist your aid in driving them away. I've prepared some explosive casks and left them by the village entrance. Use them to send the Saurians scattering. A Saurian nest so near the village is worrying indeed. Let us see the explosive casks there as quickly as we can. Merde, j'ai pas eu le temps de... D'accord, je suis pas obligé de faire la quête activée, ni un problème. I quite agree. Pas tomber dans l'eau. Mais l'autre, il va vouloir que je l'accompagne. Ah, you've returned. Good timing too. First and foremost, will you accompany me to the capital? My thanks. Are you ready to depart, or do you need some time to prepare? J'ai besoin d'un peu de temps. Parfait. Speak with me once you've finished your preparations. Alors ils sont là, les explosifs ils sont où? Là. Est-ce que je vais arriver à les jeter d'ici? Je pense pas, non? C'est trop loin là, si. Comme je vais tomber dans l'eau. Ah! Vol de Saurien! Vol de Saurien, réussi! Ah oui, alors là, vol de pion réussi. L'autre, il m'a jeté un caillou. Ou elle a lancé un sort au même moment. Là, il est à attaque de distance. Le Kraken, prenez garde au bord de l'eau. Le Kraken se tapit dans les profondeurs des rivières. Lac et mer engloutira d'un seul coup toute personne ou chose se rapprochant de trop. Si vous en êtes victime, vous aurez droit à une seconde chance, mais les pions seront perdus et les autres créatures vivantes succomberont instantanément. Ça fait tellement pas de dégâts. Ça va cracher. Prends-toi la tempête électrique. Il craint pas beaucoup la tempête électrique.
Ouais, faut, de toute façon, c'est comme d'hab, faut leur péter la queue, normalement. Aïe. Sinon, faut qu'on fasse le tour. Ouais, mais c'est, faut pas qu'ils me tirent dessus. Regarde mon endurance. De toute façon, il va falloir que j'aille récupérer un pion. Et de toute façon, que je prenne des versions. Oui, je sais, je sais. Tu sais, Light, j'ai fini le 1, hein, donc je connais bien le jeu. That reminds me. Ought we not add an archer? J'ai déjà perdu un pion, mais j'irai le ressusciter après. C'est pas un problème. If we seek an ally, we can attack at range. Bon, il est tombé dans le... Oui, c'est clair. Mais c'est pas gênant, c'est juste un petit... C'était juste un petit tonneau, ça va. Bon, de toute façon, faut que je mette à jour mes pions. Parce que là, les, ceux que j'ai, ils sont déjà trop, trop vieux. Je retourne à l'entrée, mais de l'autre côté. Well, that appears to have sent some of the beasts reeling, at least. To finish the job, I'd have you drop a jar of poison into their nest. With any luck, the Saurians will realize that they chose a perilous spot and steer clear of the village boundary in future. But pray, take care not to drop it in the river. The villagers use that water on a daily basis. You must make sure your aim is true. Good. You'll find jars of poison just outside the village. Toss one into the Saurian's nest, and your task is done. A single jar of poison ought to send those Saurians packing. Only do be mindful not to spill any on yourself, Master. Oui, c'est clair. Je vais vite retourner à l'entrée. Je vais changer mes pions. Sinon, j'ai perdu Anna. C'est bizarre, il y a un point d'exclamation ici. C'était par rapport à l'échelle, c'est ça. J'ai l'impression que quand il dit, oh, il y a une échelle ici. Il n'y aurait pas un coffre par là. Il traîne. On peut descendre. Prends du loup. Ouh, un arc. Dommage, j'ai pas d'archer. Enfin, que peut-être que je ferai archer mage. Ok, c'est avec ça qu'ils ont dégommé notre griffon. Au début. Ce serait cool un multijoueur. Ouais, ouais, ouais. Mais il y en a beaucoup qui le disent. Et, mais bon, ils ont prévu que ça soit une expérience solo avec la possibilité de... d'utiliser des pions pour aider tes camarades, mais voilà. Donc pour le début... À paramétrer mission de pion, voyager ensemble une journée entière. J'ai pas ça, moi. J'ai pas ça. Pion spéciaux, pion officiel. Pion officiel, ce sont des pions particuliers pouvant être recrutés depuis la section pion officiel du menu. Voilà, voilà ce qui les sépare des pions ordinaires. Leur nom est affiché dans une couleur différente. Les pions officiels de niveau 10 ou inférieur peuvent être recrutés sans avoir à dépenser de cristaux de faille. Il est impossible de changer leur armure. Ils n'apparaissent pas dans les divers classements et peuvent être exclus de certains aspects du jeu. En outre, certains pions officiels ne pourront parfois être recrutés que pendant une période limitée. Consultez votre site web, ok.
Ouais, mais non, c'est pas intéressant. Chercher un pion. Pion des amis. Ah, bah, il y a déjà des gens qui en ont. Au niveau 2, ça m'intéresse pas. Rook était niveau... Mais écoute, 184 points de faille, ça fait un peu cher. Donc non. De toute façon, il faudra un autre mage. Wendy, niveau 1, ça m'intéresse pas. Mais non, mais je veux pas des niveaux autant. Ok, on va faire un petit coup de... Chercher un pion. Donc non, niveau pas... C'est quoi, je suis niveau 6. Je veux que du niveau 6. Classe, je veux... mage, voleur. On puisse le modder, mais à mon avis, ce sera pas, ce sera une transaction payante. Et je veux dire... D'ailleurs, si t'as abusé les systèmes de transaction, t'es presque obligé, comme le voyage rapide par exemple. Ah mais c'était comme ça dans le premier jeu, hein, faut pas croire. Hein. Dans le premier jeu, c'était la même chose. Hein. Ah Daniela en version... Non, c'est celle que j'ai déjà, faut que je lui dise au revoir. Envoyer. Qu'est-ce que je vais donner? Oh, j'avais ça moi. Je vais envoyer une pote bête. Whatever else might be said of me. Alors, trouver un autre avec des dagues. J'aime bien, il m'a mis que des sorciers là. Le jeu. J'ai demandé sorcier et. Non. Sorcier et. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat thrills to. T'as quoi? Est-ce que t'as soin? Ok. Oula. Vous pouvez maintenant partager. Non, c'est pas ça que je veux faire. Gathering. Je voulais juste recruter. Oh, good. Voilà. I see the Arisen's found someone to handle our busy work. T'as pas joué au premier? Ah, mais le premier c'était pareil. Ah, y avait pas. Il faisait pas payer, hein. Pour le premier. Are you certain you're happy to have me along? I hope I can count on you in a scrape. Voilà, j'ai deux niveaux 6 maintenant. C'est fait exprès en fait. Le jeu, on va dire les TP à tout va, c'est pas prévu dans le jeu normalement. Et là, c'est cap, c'est à mon avis, c'est certains décideurs de chez Capcom qui ont fait oh bah tiens si on faisait payer les on rendait payant enfin la possibilité de les avoir payants pour en avoir plus parce que tous ces objets là tu vas les trouver dans le jeu plus ou moins facilement. Moi je sais que dans le premier tu avais je crois que c'est 3 ou 4 porte à cristal donc tu les plaçais à des endroits stratégiques tu les pour refaire le moins de chemin possible donc c'était plus intéressant. Moi, ça me gêne pas. De toute façon, je paierai pas pour acheter leur truc. Make haste, then. We must leave anon. J'ai besoin d'un peu de temps. Speak with me once you. Et leur nid, il est où là? C'est pas, c'est le même? Au même endroit? Et si je regarde la map... Ouais, faut que je le mette juste dans le... Dans le nid. C'est une jarre de poison préparée par l'un dans le nid de Saurien. Okay. Faut pas qu'il revienne. Les ingrédients sont plentiful hereabouts. No harm in picking a few. Je rechercherai les loot. Oui, oui, de toute façon, tu verras. De toute façon, le jeu, c'est la part belle à l'exploration. Parce que le scénario principal,
va sûrement pas être aussi. Enfin voilà quoi. Ça va pas être. Comment dire. Le truc le meilleur du monde. Et là, faut pas que je me loupe. Donc je le mets dans l'eau. I don't know about you, Master, but I'm warm. Expertly thrown, Master. I'd wager those Saurians will think twice about nesting here again. T'was a pleasure to recount such good tidings. Ce sont les trucs les plus chiants dans le jeu. C'est. T'as quoi? T'as réglé le problème pour Discord? En fait, t'as changé de mail? Ok, ben. Après, sur le. Tu peux rejoindre moi, le Discord, sans souci maintenant. Le jeu, c'est les quêtes d'escorte qui sont un calvaire dans ce jeu. Comme toute quête d'escorte, de toute façon. il est parti où, l'autre, là? Merde, il est à l'entrée. Il est pas vu. Make haste, then. Oui, j'ai besoin d'un peu de temps. Je vais parler à l'autre. Oh, il est. Thanks for your efforts. And I must say, you've a fine arm. I couldn't have done better myself. Ben, j'ai fait le tour. C'est moins con. Watching you got me thinking. Mayhap you've the sense to inherit the skills I possess. Or perhaps it's a little early for such talk. In any event, thanks to the work you've done for us today, the rebuilding efforts ought to proceed apace. And for that... Never fetch that, then. Ok, mon pion après c'est passé niveau 6. Ah ouais, mais moi c'est, je savais très bien que sur PC que ça risquait d'avoir des problèmes. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait sur. Je l'ai fait sur, sur console de toute façon. Je le prendrai sur PC plus tard, mais. Le capitaine de la garde, c'est quoi ça? Le chef est entré dans la capitale. Oui, donc de toute façon, j'ai pas le choix. Alors, petite pause de quelques minutes parce qu'il faut que j'aille faire pipi. Je reviens. Vivement un patch, oui, j'imagine bien. Mais même, il paraît qu'il y a quelques problèmes aussi sur console, moins que sur PC. De toute façon, c'est Capcom. Hein. Ils vont patcher. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bon, allez, c'est parti pour aller en ville. Pardon, c'est rond, c'est pas X. Je suis prête. Then let us be on our way. Vous voyez la pied. Là, ils ont pas peur, les gobelins. Au moins, on a des...
Les PNJ qui sont pas trop cons. Ferme de gobelins, on verra plus tard. Peu de bêtes, c'est bien. Ramasser. Et sinon, ouais, graphiquement, c'est une tuerie hein, par rapport au premier. Oh bah tiens, fortifiant de fruits qu'on aurait pu avoir gratos. Ok, c'est bon, il ramasse. I've a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. I'll gladly try out any. Je t'ai pas parlé à toi. T'as les pions qui t'abordent. Eh, tu veux pas me... Non. Non, j'ai pas envie. J'ai déjà choisi mes pions. The Arisen is the lawful ruler of Vermund. So it has always been. To claim the title is to claim the throne. Yet, not all claims are true. Oh. Ouais, cette fois-ci, j'ai ce qu'il faut pour vous déglinguer, les harpies. Ok, ils ne craignent pas l'électricité. Arme de feu. Sur moi? Tu peux sur moi? C'est pas la même quand je suis armé de feu. Hein? Oh, il y a un groupe de gobelins là-bas. Attends, je vais les mettre un peu au courant. Je les ai presque déglingués, il y en a un. C'est surpuissant le mage. Et encore, j'ai pas les bons pouvoirs. Faire gaffe à pas tomber. Oh, des sioux. Bien. Vous voulez pas ramasser les trucs? Parce que je vais être trop lourd au bout d'un moment. Ah, le mage à haut niveau. Prend que des guerriers, puis c'est toi qui gères. I would gladly give a tourism. Oh. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une grotte? Nom de Dieu! Il y a quoi là-dedans? Désolé, je vais visiter. Hein. On doit aller en ville, c'est pas grave. Partez devant, je vous rejoins. It's views such as this that make a journey worthwhile. T'would be a good place to take stock of our surroundings. It is as you say. Alors, quelle formidable vue, le paysage semble s'étendre de toutes parts, ne révélant ses secrets qu'aux plus perspicaces. D'accord, il doit avoir un truc à voir, mais peut-être que je le ferai plus tard.
Il y a plein de plantes à récupérer. Tis no more or less than what one might have expected. Oui, oui. We cannot expect gleaning treasures. Ah, des rusty patates. Ah, ils nous ont quand même suivi les gardes, ok. Bon, je suppose que ça doit montrer un truc où on doit avoir un coffre quelque part ou autre. De toute façon, on va sûrement revenir par ici. Donc, on verra ça plus tard. Oh ! La jaspe. Ramasse tout. Moi. J'avais pas un truc sur le côté. Là ? Non. Allez, allons à la capitale. Mais c'est énorme, il y a des petits passages comme ça. Après, on le voyait légèrement sur la carte, mais... Faudra voir. Apprendre à mes pions à récolter. Oh, c'était pas très loin... Hold here a moment. I shall bid them open the gate. Who's that you've brought with you, Watchhead, sir? An arisen, by all appearances. An arisen? Another pretender, you mean? I see the Sovereign's ascension has done little to stop such charlatans from plying their trade. 'Tis uncertain. This one commands the loyalty of the pawns. What? Impossible. You know as well as I do that there can be but one arisen, and he's up in the palace. I'm well aware of how preposterous the idea is, thank you. However, as I do not believe it my place to rule on such a matter, I would make my report to the capital. If the claim is false, we will be rewarded handsomely for our trouble. If the claim is true, however, who can say? All's been arranged. Come, let us pass through the gate. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Comme avec l'attaque tempête là, c'est dommage, ils font pas de dégâts. Mais j'ai bien fait de prendre le charme parce que les harpies elles aiment pas ça. Le charme de feu. J'attends toujours son rapport. Il y aurait pas une quête avec lui? What could yon chest be hiding? I must know. Let us hope your curiosity will be rewarded. Ouais, mais elle a chopé un coffre, ok. I'll take that. An ox cart was meant to meet us, yet tis nowhere in sight. Aught may have befallen it. Best we press on. Ça me montre un coffre là. C'était juste pour ce coffre là. Ah, il a déjà été ramassé. Bonjour le petit scarabée. Passe ton temps à fouiller, hein. Je me régale. I ought to report, have you? On peut ramasser, il s'en fout. C'est quand on ira faire les donjons que ce sera intéressant de faire des coffres, un max de coffres et trucs comme ça.
Parce qu'il y aura des armes de malades à récupérer. Je vais bientôt être fou, il va falloir que je donne des trucs à mon pion. Ah, a material. Useful things, these. La rustique patate. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. De toute façon, quand tu prends mage, faut prendre deux sorts. Celui du sacré et celui de... Ah, j'ai gagné 30... This seems a decent spot for a campsite. Could be a fine spot to rest. Should we have need of one? Mais je fais pas la nuit pour le moment. Qu'est-ce que c'est? Ramasser. Matériel de camp modeste. Oula, je suis en version très lourde là. Objet, il va falloir que je vire des trucs. Qu'est-ce que en poids? Qu'est-ce qui pèse lourd? Bon, la lanterne, je vais la garder. Ouais, ça, 7 kilos. Ça, je pourrais l'équiper, non? Oui. Pour augmenter ma vie, ce serait bien. Je suis toujours très lourd. J'ai vraiment... Ah, mon filet de bête pourri, il est pourri, ça y est. Je vais le garder pour le moment parce que ça va servir. Ouais, j'ai. Comment ça se fait que je sois si lourd que ça? Mon équipement est déjà pas mal. Voilà, porte. De toute façon, ce sera utilisable. Ici, ici. Look, master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Je sais pas si on peut y aller là. Not a foe in sight. I'll take the peace and quiet over a horde of enemies any day. Il y avait le double saut, ce serait bien. À mon avis, il faut passer par après le pont. Ouais, ils sont en train de pêcher. J'ai peur d'aller plus loin. Non, c'est trop loin. Okay. Donc je peux pas y aller comme ça. Bon, on va voir peut-être après le pont. De toute façon, il faudrait éviter de se déplacer de nuit. C'est bien, ramasser. Ouais, là-bas, on a l'air de pouvoir peut-être passer sur le côté. Quoique... Ah. Alors, faut le jouer avec double saut. Quand tu joues genre archer, ou t'as la possibilité d'avoir un double saut. Alors, le bruit de l'eau... On a l'impression que je suis dans une grotte. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'on va pas passer par là-bas. Is everyone all right? Là-bas, c'est de l'autre côté. Marks of the dragon's fury. Its rampage must have weakened the earth here. Et il y a un coffre là-bas aussi. On peut l'atteindre. Ça a l'air d'être moins profond là-bas. Mais quoi que non, on peut l'avoir par là-bas.
Jetez pas dans l'eau. Ah, il se jette sur le caillou, ok. J'avais l'impression qu'il se jetait à l'eau, tu sais. Mais ils sont suicidaires, les PNJ. C'est pas terrible. Là-bas, il y a du gob. Regarde, ça te frappe. Hein. Bon, bah, il est mort. Ok, level up, ça c'est cool. Ramasser les pions. I'll gather these now. 'Twould be a shame to forget their location when we need them most. T'as tellement envie de tout visiter. Sansa draws near. Ears pricked. 'Twill be difficult to pinpoint distant foes by sight alone. Je peux pas me le lancer si je peux le lancer sur moi. Ah. Bon, on devrait pas avoir trop de problèmes là. On est quand même beaucoup. Oh yes, je vais avoir des nouveaux pouvoirs. Ça c'est cool. Oh, il y a une charrette là. J'aurais pas un petit coffre par là-bas? On va voir. Non, mais il y a. Fais venir là, il y a du coffre. Bon, allez-y, tapez-les. Moi, je m'occupe des coffres. Hein. N'inquiétez pas. Bon, après, c'était pas terrible ce qu'il y avait dedans. Qu'est-ce qu'elle fait encore là? Elle va où, Sarah? I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? Quoi? Pourquoi mon personnage me dit qu'elle a trouvé un... Quoi? Bah oui, vas-y, montre. Ah, il va falloir faire pareil. Tac. I dare say the cart shan't be traversing this. Onward. It might await us on the road ahead. There are rare materials to be found hereabouts. Well spotted. Shall we see what we can find? Merde, encore elle. Aïe. Si je veux le lancer sur moi, je fais comment? Ah, ça y est, cours du temps.
Mettant ses coups d'installement dans le monde influent sur les activités et le comportement de ses habitants, il est donc peu probable qu'ils restent au même endroit toute la journée. Ils ne seront parfois présents que le matin, l'après-midi ou la nuit. Va passer le temps, vous pouvez vous reposer dans une auberge et utiliser l'un des sièges spéciaux situés ça et là en extérieur. À la tombée de la nuit, vous ne pourrez voir plus loin que vos orteils et la pénombre provoquera l'apparition de monstres absents la journée. Vos explorations passées, le crépuscule, sont à vos risques et périls, alors tâchez d'emporter une lanterne avec vous. Certains objets pouvant être ramassés changeront avec le temps, devenant rance ou contraire. Plus savoureux, il existe également des objets au fil du temps deviendront plus utiles pour la combinaison de matériaux. Tâchez toutefois de faire particulièrement attention aux denrées crues, car leur consommation peut provoquer des effets fort déplaisants quand elles sont pourries. Certains objets et structures pouvant être détruits par vos attaques se régénéreront après un certain temps. De la même façon, les fruits, baies et autres flores pouvant être ramassées repousseront au bout d'un moment. Ça, c'est cool, ça. Bien, c'est trop tard. Le temps que je lance, ils les ont dégommés. Over so soon? Why? We seem to have come through unscathed. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Et puis la nuit, c'est tu vois vraiment kitschy quoi. Ah, t'aimes pas le feu, hein? Ça confirme. En fait, faut que je le lance. Ok, il faut que je me cible comme ça. Et après, je le lance et c'est moi qui l'ai sur ma... Ok. Bon, je vous éclaire, les gens. Et on va le suivre. Bon, les soins, on prend, hein, toujours. On peut pas se reposer ici. We ought to take a closer look. Goblins approach! We have no means of exploiting our enemies. Most impressive, on voit les gars qui se promènent, mais c'est magnifique. Sérieux. Et c'est bien, t'as ramassé l'or, c'est parfait. Oh, des trucs bleus, j'aime pas. Is well balanced. I can see no weaknesses that might be exploited. No challenge is beyond our combined might. J'ai pas de sacré. Ok, ça aime pas le feu. Le feu, c'est le must-have. Vous voulez pas ramasser. Comment c'est plein là. La ferraille. Et on commence à voir les morts vivants, donc ça craint. Il y a un feu de camp, je pourrais passer la nuit ici, peut-être. Si vous possédez du matériel de camp, vous pouvez planter votre tente à côté des restes de feu de camp disséminés dans la nature. Tout comme un séjour à l'auberge, camper restaure la vie et l'endurance de votre équipe ainsi que votre jauge de perte. Si vous ne vous rendez que rarement en ville, il serait sage de toujours garder du matériel de camp si vous voulez éviter l'épuisement. Camper est aussi l'occasion de faire griller de la viande, ce qui vous octroie un bonus de statut lorsque vous consommez cette dernière. Plus la viande est bonne, plus la qualité meilleure sera le bonus obtenu. Avant de vous installer, il est préférable d'éliminer tout ennemi rôdant aux alentours, ou vous risquez de vous ou votre équipe de vous faire prendre par surprise. Ok. Alors pas tout de suite, parce qu'il y a des... Oh, je peux équiper des compétences. Merde. Je vais le lancer, on va le lancer, vas-y. Où est-ce que je tente le...
Je tente d'y aller de nuit. La ferraille, à mon avis, ça... Je tente de nuit. C'est-à-dire, ça fait apparaître des squelettes et donc ça fait tomber de la ferraille. Ah, peut-être y aller de nuit, parce que je pense que c'est la première route, elle doit pas être trop dangereuse. Là, il y a un point d'exclamation. Et c'était de tout à l'heure, ça. On va y aller. La nuit est pas trop sombre, là, ça va mieux. You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. C'est très bien. Ils sont où? Je viens passer devant. We're trapped. Oh, notre premier copain. Avec un archer, ça aurait été bien, mais... Cyclops. Be on your guard. There ought not to be water here. Non, vise la tête. Ouh, il est pas en forme. Ça arrive à lui, c'est bon. J'aurais un archer, je lui viderai en pleine tête, mais... Ah, sinon, il y a ça qu'on peut faire. Je reviens du genre, vous inquiétez pas. Merde, il est où? Je l'avais vu tout à l'heure, le truc explosif. Là. Ça lui a fait bien bobo, hein. Et maintenant que je lui ai mis un peu d'eau sur la gueule, il va craindre l'électricité. Pas plus que ça. Il est stun. C'est que contre moi que je mets le... Merde, Chandrine, il sait voir qu'il est mort. Ça, c'est parce que c'était les trailers. Ah, oh, j'ai des sons dans la manette. I had taken you for another false arisen. Goodness knows we see a lot of them. Yet the value you showed in coming to our aid has dispelled such thoughts. Here, take this. As a mark of my trust. Give it to one of the sentinels stationed at the gates to the capital, and you'll be glad. Là, c'est pour dire à mon avis que mon pion est dans la merde. You're free to make your own way to the capital now. I see no need to keep you under constant watch, and I'm sure you'll breathe a little easier as well. Of course, if you'd rather continue to accompany us, you are still welcome to join us on the oxcart. It is your decision. I'm saved. Thank you, Arisen. You're well fond of picking things up, aren't you? Je vais être trop lourd là, avec tout ce que je ramasse. Ah mais il disparaît pas le... Au bout d'un moment, il disparaissait.
écrasé par un cyclope. C'est clair. Peut-être vider mon inventaire, ça doit être bien lourd. Ouais, c'est ça, je suis lourd. Et ça doit jouer sur les incantations. Toujours lourd. L'œil et l'os de cyclope, ça doit être lourd, non? Même pas. Pourtant, un œil de cyclope, ça devrait être... Ça devrait être costaud. Missive, ok. Ça, il m'a filé ça. Fruit sec. Ah oui, c'est mes... Ok. Princesse Rusty Patate. J'ai pas eu les mêmes trucs. J'ai pomme pourrie. Ça empoisonne. On va éviter, mais c'est bien pour faire des flèches empoisonnées. Ah si, je peux combiner. Je peux faire des trucs. Là, je suis mid. Oh, on peut faire le... Fortifiant de fruits. Vas-y. Ok, j'ai fait mon premier craft. Et la poix. Je peux faire ça pour faire des... Mais la poix va me servir pour la... Pour la... Comment ça s'appelle la... La lanterne. Et ça, on peut le combiner? Non. Ok, on peut pas tout combiner. Ok. Il faut faire gaffe. J'ai eu des neneuils, là. J'ai cru voir des neneuils. On va l'accompagner. On va dire oui, comme ça, ce sera plus safe. Allez. De toute façon, on va sûrement revenir dans le coin, donc... Ok, ramène. Matériel de camp modeste. Et ça y est, je vais être très lourd. On s'en fout, on va y aller... On mettrait un dans le coffre. Oh, pardon. Oh, c'est génial ça. Oh, ça c'est cool ça. Et il y a les pions qui sont à côté qui escortent. Ça c'est pas mal. Il y en a deux devant, je vois. Ah, j'ai pas le choix. D'accord, j'ai pas de. Il y a une animation et il y en a une derrière, ok. Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. Il n'y a pas de mal à ramasser. Bah vas-y, te gêne pas. Oh, ils y vont en plus, c'est bien. Je vois bien qu'ils font le sale boulot. C'est des pions, hein, voilà. C'est d'où le nom. Attends, je me régale, hein. Franchement, le 1 était énorme, celui-là il est excellent aussi pour le moment. Rien que le début déjà m'enthousiasme pas mal. C'est un vrai régal. Ils ramassent pas tout, hein, parce que là ils ont loupé la plante sur le côté. C'est pas grave, de toute façon on va sûrement revenir dans le coin. Je vais faire des quêtes. Là, pour le moment, je laisse le... Je pense qu'à mon avis, on devrait aller plus vite si on n'était pas avec le chariot. Mais au moins, on ne se fait pas attaquer, je pense. Faire la sieste. Ah, je peux dormir si je veux. Non, c'est sympa. Et à mon avis, je dois pouvoir sortir si jamais on se fait attaquer. Je peux voir la map. Il faut aller jusqu'où, comme ça. Je suis là. D'accord. Oui, il y a un sacré chemin. Yes. Non, me dis pas qu'il faut qu'on aille jusque là-bas. Bon, bah. On s'est chanté l'excavation, c'est où j'étais en prison. Ok.
Ah, ça va être un régal. Va falloir bien préparer des expéditions, comme d'hab. I'll pick that up. We might have need of it. Oui, ça c'est très bien, oui, c'est des soins, toujours. Non, si je fais la sieste, ça va passer le temps plus vite. Là-bas, il y a de la lumière. Ah, déjà, c'est bien. Là, je peux tourner la caméra. Je pouvais pas tout à l'heure. Ah, là, je peux plus, par exemple. C'est bien. Ramasser. Ramasse des soins. Oh, le scarabée doré. Yes. Bébé. En forme pour le ramassage. Non, c'est bien, en fait, ils indiquent où ils sont pour aller chercher plus tard. Ça, c'est cool. Et si je me fais me lever. Ok, je peux décider de partir. Je vais voir le coffre. Ouais, non, mais il est là-haut, en fait. Ok. Ouais, donc pas atteignable pour le moment. C'est génial, tu peux sortir quand tu veux. C'est excellent. Ah. Et ils sont sortis en plus, hein. Pour aller se taper les gobes, hein. C'est moi ou les fleurs elles crament ? Il y a les plantes qui crament, j'hallucine, ils sont allés jusque là. Ah, c'est magnifique. Sarah est tombée. Aïe. Ah bah pour le moment, je suis pas pour l'aider. Oula, deux qui sont KO, ou ça craint là. Attends, là, faut que j'aille vers les gardes. Je pourrais pas. Oula. What? Ah, game over? Ah, le point de sauvegarde était où? Et quel était le lieu sûr? Je vais mettre le feu à la forêt, ouais. Là, je me suis fait déglinguer, mais j'ai pas compris pourquoi tous mes pions se sont pris autant de dégâts. Et les autres se sont barrés, les autres gardes. Ça, c'est... Je suis où ? Quoi ? Attends. Il n'y avait pas des points de sauvegarde avant, là ? Non.
Sérieusement? Donc, j'ai perdu 2 heures là de jeu? 2 heures de jeu? Sérieusement? Pourtant, il y a eu plein de fois le truc où il y avait les. Attends, je viens de perdre 2 heures de jeu là. Non mais sérieusement, là c'est. Non mais là je suis dégoûté là. Look, master, a treasure chest. Ah non mais là j'avoue que là ça me. Non mais sérieusement. Et puis le seul truc c'est que je peux faire sauvegarder, revenir à l'écran de titre ou sans. Non mais c'est quoi ce délire avec cette sauvegarde? Je savais qu'il y avait des problèmes avec la sauvegarde, mais là. Mais là, c'est n'importe quoi. Et puis, c'est pas clair, leur truc, là. Bon, je vais couper la... Mais je sais pas, là c'est vraiment bizarre. Je vais couper l'enregistrement. Puis je reprendrai quand je... Là, je vais continuer, mais je vais reprendre. Donc, pour YouTube, ça fera fin de l'épisode là. Et pour Twitch, bah, je vais continuer, je vais reprendre. Mais je vais aller plus vite, parce que je sais où c'est, donc ça va aller un peu plus vite.